Ce truc, c'est pas un être humain. Moi, je vous le dis. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la reaction live du chapitre 275 de Black Clover. Alors déjà, il y a des gens qui ont vu les leaks, moi j'ai pas vu, et apparemment le chapitre est très très cool, donc ça annonce vraiment du lourd. Franchement, ça me fait carrément peur et je me dis peut-être que la review apparaîtra plus tard que demain, parce que ça dépend du contenu. Ça dépend vraiment du contenu, mais en tout cas, j'ai juste trop hâte. Surtout qu'il va y avoir les 2 semaines de pause de fin d'année bientôt. Je sais pas si c'est la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine encore d'après. Et voilà. Par contre, aussi, je voulais aussi vous dire, c'est un petit peu compliqué. Je voulais faire plein de théories et tout, mais vu que c'est mes examens en ce moment, j'ai vraiment pas trop le temps. Et en plus, j'ai reçu ma webcam, mais mon ordi, ça marche pas du tout. Et c'est juste que mon ordi, il est complètement dead. Donc, je vais attendre un petit peu parce que je suis en train d'acheter une autre unité centrale. Enfin, ça, c'est technique, mais c'est pas grave. On commence le chapitre parce que là, ça commence à devenir un peu trop long. Bon. Bref, alors, chapitre 275, alors ça commence par une page, le rituel est fait avec d'immenses cercles magiques, et ça bouge avec 4 fonctions. Alors, ah, ok, d'accord, on a le schéma, ah, plutôt cool en fait, ça va être un schéma en triangle, genre avec William et... Oh, c'est des bâtards. Et pourquoi ils ont mis la tête de William comme ça? Ils n'ont même pas mis des yeux. Ouais, d'accord. Donc, au milieu, il y a William et truc. Et les 3 autres pour activer le rituel, la Dark Triade. Ah oui, donc, ça se trouve que si on bat la Dark Triade, ça y est, c'est déjà terminé. Oh là là. Le titre du chapitre, c'est la personnification du feu héroïque. Alors là, soit c'est Mereo Leona, soit c'est Fuegolon. En battant toute la Dark Triade, qui sont les activateurs, nous allons complètement arrêter le rituel. Donc, et l'arbre va arrêter et pas ouvrir la porte. Ouais, normal. Bon, après on passe sur Yuno, Langris et Nozel. Ah ouais, eux aussi, c'est une vraie team. Hein. Ça fait que, en même temps, il n'y a que des mecs chauds. Il y a aussi une stratégie pour détruire Kilphos lui-même avec l'anti-magie. Ouais. Mais on ne peut pas parier sur ça. Obligé, le premier plan, il ne va pas marcher, ils vont devoir parier sur ça, tu vois. S'ils parlent de ça, ce serait bête qu'après, on n'ait rien sur ça. Si Yami et Vengeance meurent en détruisant la porte de force, vous ne pourrez pas vous le pardonner. Alors, t'as Ryl. Ah purée, j'ai un trou, je sais plus, et Charlotte, parce que j'allais l'appeler Charlotte. Purée, oh j'ai le seum, je sais plus comment il s'appelle, celle qui fait la magie des rêves. Chacun des membres de la Dark Triade est au bout du cercle. Ah mais oui, bah ça veut dire Nash et Fuegoléon, en fait ils sont avec Jack, plus avec Nozel. Donc ils se séparent en 3 groupes pour les attaquer en même temps. Ah ouais, donc c'est ça la compo. Ok. Alors, qui pour qui? Attendez. Avant de voir, Nasht, je crois, c'est pour Dante. Alors, on va dire ça. Charlotte. Ah, mais non. Charlotte, il faut que ce soit pour Dante. L'équipe de Charlotte. Yuno. Bah, c'est obligé, hein, c'est pour Zenon. Et donc, Fuegoléon pour Mejicula. Bizarre. Enfin, je sais pas. Oh, en vrai, je sais pas du tout. Ah, vous allez rencontrer des Dark Disciples. Purée. Ah ouais, ça commence. Hein. Oh. Wow. Les capitaines, ça fait tellement plaisir de les retrouver. Si ça arrive, alors agissez comme des appâts. Et essayez d'attaquer la triade avec le plus de personnes possible. Ah, mais là, les capitaines, ils rigolent pas. Et Fuegoléon, il est vénère. Page magnifique. C'est le Majin géant, là. Ah, mais c'est incroyable. Mereo Leona, bah voilà, elle l'a pas fait tomber, mais...
et lui a cramé la tête, quoi. Ah, mais il a pas bougé du tout. C'est impossible de battre ces trucs. Oh, on va. Oh là là, petit flashback obligé. On va prendre un mini entraînement ou un truc comme ça. À ce moment-là, j'ai rencontré une créature sur laquelle ma magie ne marchait pas. Je vois même pas de quelle magie elle parle, enfin de quel moment exactement. Mais bon. Je ne sais pas qui tu es. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Ok. Je ne sais pas comment je vais censurer ça, c'est pas grave. Ah, mais elle s'est vraiment coupée les cheveux. Ah, donc Nash, il l'a rencontré. Ah, tu es vraiment une personne choquante. Merci, Nash. Merci de nous dire ça, parce que c'est vrai. Est-ce que tu peux mettre des vêtements? Ouais. Donc, Yami et Vengeance. Je m'en fiche de ces gars. Mais les gars qui les ont attaqués sont intéressants. Ah ouais, ok, donc ils se sont entraînés. Oh. Ok, bon, on va voir ça. On va voir ça. Je peux encore être plus forte. Purée, incroyable. Ça commence à être intéressant. Ouais, la meuf, elle vole. Elle vole. T'as une flamme qui vole juste devant. Tout ce que j'ai à faire. Magie de feu. C'est de tuer la légende. Purée! Oh! Bah sur le groupe Discord, en plus, les gens, ils en parlaient. Ils avaient montré cette photo, mais je pensais pas que c'était possible. Je pensais que c'était juste un fan art. Mais elle est complètement en feu. Ah ouais, personnification du feu de l'enfer. Purée. Purée, purée. Ah mais c'est trop badass. C'est limite comme l'armure de Noël, hein. Tout en feu comme ça. Incroyable. Quel énorme mana, comme si son corps s'était transformé en mana. Purée, là, 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 on est bien là. Wesh, on voit rien. C'est devenu vraiment du feu. C'est juste de la lumière. On la voit même pas. Elle frappe sa main. Ah non, elle passe à côté. Passe dessus. Elle lui fout un coup dans le poing. Wesh. Un de ses coups, ça fait une énorme explosion. Ah, ça m'a fait peur parce que ses boutons, j'ai cru que c'était. Parce qu'elle était à poil. Ah, mais le. Ouh! Ah ouais, elle met des vrais coups au Majin. Mais après, je sais pas, est-ce qu'il prend vraiment des dégâts là? Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Ok, baston, baston. Mana zone, toute sortie, all out. Dors encore une fois, pour cette fois, pour l'éternité. Ah ouais, Caldius, Bratium Purgatory Abyss. Ok, d'accord, ça on va pas essayer de le traduire, je suis désolé. Mais voilà, ok. Un coup de flamme énorme. Mais c'est pas possible. Elle est vraiment trop trop puissante. Hein. Et franchement, Mereo Leona, c'est un monstre. C'est un monstre ce truc. Ce truc, c'est pas un être humain. Hein. Moi, je vous le dis. Dans le château. Ça y est, ils arrivent devant. Ah bah ça y est, on a les match-up. Charlotte face à Vanika. Il y a Rill aussi. Ah ok, à chaque fois il y en a. Bah oui, ceux qui sont arrêtés avec les Dark Disciples, bah ils sont restés. Ah mais il y a deux vice-capitaines contre Zenon, mais ils sont malades! Il n'y a même pas un capitaine. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on est mal. Par contre, Jack et Nash contre Dante, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça peut être intéressant. Comme quoi, ma vidéo des match-ups, ça y est, c'est trop tard. Mais de toute façon, je vous l'avais dit. Et enfin, je vous ai dit, malheureusement, j'ai eu des problèmes et tout. Enfin, avec mes cours, c'était un peu trop chaud. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça va commencer. Bon, bah attendez, je clique parce que souvent il y a une autre page et après. Ah bah non, c'était la dernière page. Bah en soi, c'était un chapitre. Il était bien, hein, mais il était tellement rapide. Il était tellement rapide. Bah en même temps, Nereo Leona, là, elle a passé tellement de temps à sa baston. C'est n'importe quoi.
Je crois que la review, je vais la faire en une partie qui va se concentrer sur les capitaines et tout ce qui se passe dans le château, et une partie juste pour parler de Meroleona. C'est un délire. J'ai tellement du mal. Purée, en fait, je m'étais fait spoiler et j'avais même pas capté. Ah, mais je retourne plus jamais sur. Parce qu'en fait, il y a une partie dans le groupe Discord pour les leaks et tout. Donc, dès que si vous êtes intéressé par vo pour voir ça avant le chapitre, bah, vous pouvez le voir. Mais voilà. Ok, bon, bah, c'était un très très bon chapitre. Hein. Mais là, je crois que ça va pas s'arrêter. Ça va être n'importe quoi. Le prochain chapitre, ça va être une dinguerie, là. Ils sont devant la Dark Triade. Ça va être une folie. Ça va être une folie. Bon, bah, on se retrouve demain déjà pour l'analyse au calme et tout. On va se poser, on va essayer de revoir ça, cette histoire de Manazone. Est-ce que c'est une nouvelle Manazone? C'était quoi ce coup énorme de Meroleona là? Et c'était quoi cette histoire d'entraînement? On va voir ça au calme, voir si les match-ups ils sont si intéressants que ça. Mais bon, voilà, j'ai très hâte, j'ai très très hâte. Donc ça arrive demain plutôt en matinée, soit le matin à 11h, soit l'après-midi 15h comme d'hab, et My Hero Academia un peu plus tard. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et bah, à demain. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.